Bonjour, action. Attends. Bonjour Pierre Laroche. Bonjour, enchanté. Donc vous êtes spéléologue. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors tout d'abord, le métier de spéléologue consiste à étudier les roches et les muscles. Action. Pour un risque potentiel d'éboulement, d'effondrement de terrain, exactement. Et puis voilà. Et avez-vous personnellement le vertige, ce qui pourrait arriver éventuellement? Non, je me considère comme un être hors du commun qui ne possède pas le vertige. Ah merde, non, je vais le dire un peu. C'est parti trop. Et pouvez-vous nous parler maintenant un petit peu de l'histoire de la grotte que nous allons découvrir ensemble? Alors cette grotte, cette... merde. Vous travaillez dans la... Pardon, là c'est ma faute. Oups, désolé. Mais depuis, nous ignorons ce qu'il est advenu de lui. D'accord. Mes chers téléspectateurs, nous allons maintenant nous habiller pour visiter cette grotte en toute sécurité. C'est bon. Donc maintenant, nous allons partir à la découverte. Vous me suivez, Jean-Claude? Oui. Merde, c'est pas Jean-Claude. Non. Comment c'est quoi ton nom? Pierre. Jean-Pierre Laroche. Vous me suivez, Pierre? Action. T'étais devant. Non, attends. Action. Tiens, allez-y, Pierre. Montre-nous le chemin. C'est trop de la merde. Mais c'est pas très solide ici là. Oh, c'est solide. Oui. Si, c'est solide. C'est pas très fiable, hein. Ah, dites-moi, c'est profond, hein. Ah oui, très. Tiens, il y a des aiguilles là. Idiot, mais non. Ah. Bon bah après vous pouvez y aller en premier. Oui. Oui bah allez-y. Oui, j'y vais là. Oui. Ah merde. Mais non, il a rien compris. Henri, il a vraiment une tête de résistance. Henri là tu surgis. Alors, là ce qu'on va faire c'est qu'on va être encore penché, on parle très fort. Ah ça veut dire qu'il faut que je peux descendre de plus bas. Action. J'ai entendu un truc. Où ça? Là. Oh, oh putain, quelqu'un. Putain. Ah. Vous êtes Narzi. Qu'est-ce que t'as dit? Narzi. Oh, je vais te mettre du café brûlé sur la gueule, hein! Ah, on se calme, hein! Ouais. Oh! Tu m'as pris pour qui, toi? Mais non, non. Ah, j'avais dit quoi, moi? Bah, normalement, c'est moi qui dis on se calme. Ah, ok. Oh là là! Continue! On va tuer! Mais non, mais c'est quoi le bordel? Continue, vas-y! Oh! Continue, fais le. Mais bon, voilà! Moi, je sais pas, j'ai pas vu les années passer. Pour moi, là, j'ai l'impression que ça fait même pas 5 ans qu'on est en guerre. Un peu plus quand même, hein. Plus que 5 ans. Là. Hein? Bah attends, ça veut dire que je suis quand même pire qu'on s'arrête là. Oh, pas mal, oui, c'est vrai. Plutôt bel homme. J'ai ma forme encore. Mais ça fait muet là, c'est encore muet. On filme. Fais-moi le temps, toi. Fous-moi le temps. La caméra, elle est complètement con. Elle est complètement con. Non mais vous rigolez là. On filme, bordel. Non. C'est bon. T'entendais pas les voitures, les avions des fois? Il y a une autoroute à côté. T'as vu où j'habite? Ma grotte elle est profonde, c'est comme ça que j'ai battu le record du vent. Mais c'est un peu rustique quand même, hein. Non. En vrai, on est bien. Tu fais un peu de bois, tu fais du feu. Bon, je te cache pas qu'après t'es un peu fumé, mais franchement, ouais. C'est pas mal, hein. Eh bah putain. Il fait pas mal quelque chose, hein. Bah. On va visiter un peu tout ça, hein, parce que c'est pas que ça fait, moi faut que j'aille visiter maintenant, voir à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que tu dis à la fin, mais... Moi non plus. Personne ne se